cœur à toi, mon Dieu, pour que les âmes abandonnées, Seigneur. Amen. Nous sommes venus rassembler ici, Père, pour écouter les instructions que tu as pour nous. Nous croyons que la vie, c'est tout par cette parole, Seigneur. C'est pour ça que jour après jour, mon Dieu, nous voulons simplement nous abandonner, afin que cette parole puisse nous conduire. Amen. Regarde ce peuple qui est venu se rassembler ici, Seigneur. Ils ne sont pas venus écouter moi, car je n'ai rien à leur dire, Seigneur. Amen. Ils sont venus écouter toi. Oh Dieu de grâce, toi qui es plus de l'exemple, Seigneur. Alléluia. Merci Père, alors que nous avons lu l'écriture, apporte-nous de l'inspiration, Seigneur. Mets-nous de côté, oh Dieu de l'aimé, et par cette parole guéris ton peuple. Parce qu'il est écrit dans les psaumes que tu as envoyé ta parole et que ta parole nous a guéris. Qu'il puisse en être ainsi, Seigneur. Que celui qui a un besoin quelconque puisse trouver un réconfort dans cette parole. Amen. Parce que cette parole est restaure. Délivre et guéris, Seigneur. Et que les effets de la parole, oh Dieu, puissent être visibles sur ce peuple, Seigneur. Amen. Alors que jour après jour, oh Dieu bien-aimé, nous essayons de poursuivre l'objectif de Dieu, oh Père, qui nous a assigné au travers de ce message. Bénis chacun d'entre nous, Père. Amen. C'est là qu'ils n'ont pas pu être ici, Seigneur. Ouvre une voie pour eux, Seigneur. Yes, sir. Afin qu'ils soient ici, Père, pour écouter ta parole aussi. Pensons, Seigneur, à nos frères qui sont réunis de par le monde. Tu assistes tes serviteurs et qu'ils puissent, oh Dieu, dispenser cette parole de manière droite. Ainsi, oh Dieu, te remettons toutes choses. Sois béni et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes venus, nous allons profiter directement pour lire l'Écriture. Nous allons lire à deux endroits aujourd'hui dans la Bible. Nous allons lire d'abord, premièrement, là où nous sommes en train de lire, dans Actes chapitre 8, et puis nous allons lire dans Matthieu 24. Actes 8, je vais lire juste le verset 26 jusqu'au verset 27. Actes 8, je commence la lecture de la parole. La Bible nous dit ceci: un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Amen. Amen. Nous allons aussi partir dans Matthieu 24. Et nous allons commencer l'écriture à partir du verset 24 aussi. Amen. Et nous lirons jusqu'au verset 28. Matthieu 24, je commence avec Dieu à partir du verset 24. La Bible nous dit ceci: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Amen. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Voici, je voulais annoncer d'avance. Amen. Ça, c'est l'avertissement. Yes, sir. Voici, je voulais annoncer d'avance. Amen. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Amen. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, c'est ainsi. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'été de sa parole. Yes, sir. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là afin que nous puissions adorer ensemble le Seigneur. Amen. Nous allons essayer d'ajouter une pierre à ce que nous sommes en train de dire. Nous allons continuer avec notre enseignement sur le sujet que nous avons intitulé de Jérusalem à Gaza et que nous avons appelé l'Éthiopien éthiopien. Donc, je suis encore en train d'introduire mon sujet. Je ne suis pas encore arrivé sur l'Éthiopien l'Éthiopien, mais je crois qu'on va y arriver. Alors que ce soir, cette nuit, j'étais en train de méditer, je voulais parler sur quelque chose, et j'ai senti mon cœur revenir sur la porte de l'Est. Alléluia. Je crois que nous allons ajouter encore deux, trois pierres sur cette porte. L'esprit est resté là-dessus, je ne parvenais pas à quitter cela, et j'ai senti que c'est Dieu qui voulait cela. Amen. Donc, j'ai commencé à parler un peu sur ce sujet en introduisant de la manière dont la Bible parlait. La Bible nous a montré qu'il y avait un homme qu'on appelait Philippe. Et Philippe, il était en train de tenir des réunions de réveil. Il prêchait
dans la Samarie. Et puis c'était des grandes réunions de réveil où il y avait beaucoup de monde. Et tout d'un coup, l'ange du Seigneur lui est venu. Il a dit à Philippe, le temps est arrivé où tu arrêtes ces réunions et que tu puisses te diriger vers là où je t'envoie. Alléluia. C'est là où j'allais profiter pour parler de l'ange du Seigneur. Parce que beaucoup de gens pensent que quand le Saint-Esprit est venu, cela a arrêté le ministère des anges. Or, maintenant, on nous dit que ce n'est pas cela. Il nous dit que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous continuons à voir le ministère des anges. Mais il nous dit avec précision que l'ange du Seigneur est envoyé à quelqu'un qui a un appel spécial. Amen. Et quand cet ange vient, il vient pour révéler Jésus. Amen. J'insiste sur ça. Il vient pour glorifier Jésus. Amen. Et quand on parle de révéler Jésus, Jésus ce n'est rien d'autre que la parole. Parce que Jésus avait dit à Pierre, il dit, Pierre, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, garde ma parole. Celui qui a la parole de Dieu, il a automatiquement Jésus. Amen. Amen. Et c'est là où nous avons montré que quand l'ange de l'Éternel vient, il ne vient pas afin que vous puissiez l'adorer. Non. Il vient pour ouvrir votre intelligence. Amen. Comme il avait fait avec Jean. Il lui a révélé les mystères qui étaient dans l'Apocalypse. Amen. Et nous avons constaté que la commission que cet ange a donnée à Philippe, il lui a dit, Philippe, je t'envoie vers la route qui mène vers le midi. Et c'est là où nous avons eu l'opportunité de pouvoir parler des quatre coins de la terre. La Bible nous a dit que la terre avait quatre coins. La science nous a dit que la terre était ronde. Cela semblait être une contradiction. Mais le prophète que nous avons nous a révélé que malgré qu'elle soit ronde, cela n'empêche pas qu'elle soit carrée non plus. Parce que tout homme de science sait que nous avons quatre directions par laquelle nous puissions nous positionner. Nous avons l'est, nous avons le nord, nous avons l'ouest et nous avons le sud. Nous avons montré qu'est-ce que signifiait l'est. Nous avons vu que l'est signifiait le levant. Ça montre le matin, ça parle du soleil qui se lève. Nous avons parlé du nord, et nous avons montré que le nord, dans l'ancien temps, on l'appelait les septentrions, par rapport à la constellation de la grande et de la petite ours, qui montrait qu'il y avait sept étoiles principales dans le nord. Nous avons parlé aussi de l'ouest, où nous avons montré que l'ouest parlait du couchant, ça parlait du soir, c'est le soleil qui est en train de se coucher. Et quand nous avons arrivé au sud, nous avons montré que le sud et le midi, c'est la même chose. C'est le soleil dans toute sa force, c'est le soleil dans toute sa splendeur. Vous savez, mes frères, William Branham nous a dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La science nous a dit aussi que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Peut-être que quand nous voyons le soleil se lever et aller se coucher, nous ne sommes pas conscients de l'impact du soleil sur la terre. Si on enlève le soleil, la vie sur la terre s'arrête. Parce que la vie sur la terre est impossible si le soleil n'y est pas. Et vous allez vous poser la question, mais ce soleil, qu'est-ce que nous en tirons? Je suis conscient que chaque jour, quand vous mangez, que ce soit les légumes, que ce soit la viande, vous n'êtes pas conscient que vous mangez le soleil. Amen. Alléluia. Vous savez que vous mangez le soleil? Yes. Vous mangez le soleil parce que l'énergie que vous avez besoin, c'est l'énergie du soleil. Yes. Le soleil, quand il passe, la vie animale, la vie végétale, elle fait la photosynthèse de par sa lumière. Ah. Donc, c'est par son énergie qu'elle parvient aussi à changer cette énergie en éléments que vous allez manger. Yes. Et quand vous mangez cela, vous allez dire, mais je mange aussi la viande. Même la viande, la vie de la viande, que ce soit le poulet qui mange le grain, que ce soit la chèvre qui mange les feuilles, tous mangent la vie végétale qui n'est que l'énergie du soleil. Et le soleil que nous avons n'est pas le vrai soleil. C'est le soleil seulement dans le naturel. Nous savons que le naturel n'est pas le réel, le naturel n'est pas le véritable. Mais nous avons un vrai soleil qui est le Fils. Et ce vrai soleil qui est le Fils nous a promis que même si on nous dit qu'il est dans le désert, qu'on nous dit qu'il est dans les chambres de prière, nous n'allons pas être branchés. Mais nous saurons que de la même manière que le soleil prend son envol de l'est et se couche à l'ouest, c'est comme cela que sera le jour du Fils de l'homme. Amen. Donc le jour du Fils de l'homme, c'est un jour qui part du matin jusqu'au soir. Amen. Amen. Si vous vous souvenez, nous avons tracé un peu l'ordre de l'écampement.
dans cet ordre de campement, nous avons montré que quand Israël devait camper, Israël ne campait pas en désordre. Dieu lui avait dit, voici la manière dont vous allez faire les choses. Lorsque vous allez vous camper, comme vous êtes 12 tribus, vous allez vous diviser en quatre groupes de trois. Il y aura trois tribus qui seront à l'est et qui auront pour tête Juda, trois tribus qui seront au nord, qui auront pour tête Dan, trois tribus qui seront à l'ouest, qui auront pour tête Ephraïm, trois tribus qui seront au sud, qui auront pour tête Ruben. Amen. Amen. Ça sera votre manière de camper. Et vous allez mettre la porte d'entrée du tabernacle à l'est, de sorte que, quand le souverain sacrificateur aussi devra apporter le sang, il doit aussi partir de l'est vers l'ouest. Amen. 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 C'est ça le cheminement même de la vie chrétienne. On part de l'est vers l'ouest. Amen. Amen. Et si vous remarquez, je vous ai dit que Juda n'était pas celui qui devait avoir la prééminence. Vous voyez, la porte de l'est est gardée par le lion, n'est-ce pas? Et le lion, c'est la puissance. Et je vais vous montrer la Bible entière. Quand elle s'ouvre, frère Samuel, elle s'ouvre d'abord par l'onction du lion. Amen. Amen. Dieu place son fils Adam dans les jardins. Il lui dit qu'il dominera. Tu auras l'autorité. Tu as la puissance. Amen. Mais vous allez remarquer que la manière de Dieu de présenter sa grandeur déroute souvent les hommes. Parce que les hommes, ce qu'ils appellent grands, ce n'est pas ce que Dieu appelle grand. Ce que les hommes appellent petit, c'est ce que Dieu appelle grand. Frère Branham dit, je crois que Jésus-Christ est Dieu, parce que des grands qu'il était, il pouvait s'abaisser. Parce que quand on a fait l'appel aux parents, on a dit, voici les lions de la tribu de Juda. On s'attendait à voir quelque chose de grand. Mais lorsque Jean a tourné son regard, il a vu que c'était un agneau qui était comme mollet. Parce que Dieu, sa grandeur, se cache dans la simplicité. Amen. 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 Écoutez maintenant. Je vais lire son nom, parce que je vais parler encore de la porte de l'Est. Je suis dans le message conduit par l'Esprit, qu'il a prêché le 7 août 55. Frère Branham oublie ceci. Au paragraphe 26, il dit, c'est un jour brumeux. Mais la Bible dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Le soleil s'est levé à l'est sur les gens de l'Orient, les Juifs, et les gens de l'Orient. La civilisation a voyagé avec le soleil. Maintenant, c'est les derniers jours. Nous avons voyagé jusqu'à la côte ouest. La chose suivante, c'est l'est à nouveau. Quand le soleil se couche, il luit dans toute sa gloire. Amen. Amen. Écoutez, le soleil, quand Dieu commence son programme, Dieu commence son programme en le commençant toujours à l'est. C'est comme cela que Dieu commence son programme. C'est ça la porte de Alpha de Dieu. Et si vous n'identifiez pas l'Alpha, quand Dieu sera dans l'Oméga, vous aurez une confusion de comprendre ce qu'il est en train de faire. Frère Branham nous dit que la terre entière s'appelait l'Éden. Amen. Amen. Mais Dieu, à l'est là-bas, il est parti et il a planté un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Et Dieu prit la première semence qui était Adam et le plaça dans ce jardin. Et il demanda à Adam de se multiplier, de remplir la terre. Amen. Par la sémence, parole parlée. Très bien. Mais nous savons tous qu'Adam avait échoué. Et nous devons comprendre, parce que souvenez-vous, que le troisième dessein de Dieu, c'était quoi? Rétablir le royaume. Alléluia. On ne peut pas parler de rétablir quelque chose qui n'était pas avant. Lorsqu'on dit rétablir, c'est que la chose était auparavant. Alléluia. Et que la chose n'y est plus et qu'il faut qu'on puisse la ramener. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre comment est-ce que Adam a pu échouer à l'est où il était. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que Adam et Ève ont quitté sa présence de par la porte de l'est. Et s'ils ont quitté la présence de Dieu par la porte de l'est, le seul moyen de retourner, c'est par la même porte.
Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Je suis dans question et réponse des Hébreux. Au paragraphe 58, il dit, à l'Éden, lorsqu'ils eurent leurs enfants, eh bien, non pas dans les jardins d'Éden. Celui qui a écrit savait cela. Celui qui a écrit cette note a dit, lorsque Adam et Ève avaient leurs enfants à l'Éden, non pas dans les jardins d'Éden, car ils avaient été chassés du jardin d'Éden, mais ils étaient toujours à l'Éden. Et les jardins d'Éden étaient situés à l'est. Mais Éden était un comté ou un état. Puis Nod était un autre comté, Amen. Un comté voisin. Écoutez, dans la puissance de transformation, Frère Branham continue au paragraphe 55 en disant ceci. Il dit, Caïn sortit de la présence du Seigneur. Il commit son erreur. C'est là que vous commettez une erreur. C'est là où je commettais une erreur. À la minute même où nous sortons de la présence de Dieu. Caïn sortit de la présence du Seigneur et habitant dans le pays de Nod, à l'est de l'Éden. Vous voyez combien il était religieux. Il alla du côté est, le côté est. Amen. Donc, le côté est, nous ne pouvons pas le négliger. Vous êtes là? Amen. William Branham nous a dit que l'arbre de vie était à l'est. L'arbre de vie était à l'est. C'est pour cela que quand Adam et Ève sont tombés et qu'il y a eu les deux semences qui sont sorties, à savoir Caïn et à savoir Abel, ils sont revenus les deux à la porte de l'est. Parce qu'ils savaient que l'arbre de vie était à l'est. Et eux, ils voulaient manger de cet arbre pour pouvoir avoir la vie. Mais nous allons essayer de comprendre la différence qui va lever les deux civilisations des portes de l'Est. Amen. Frère Branham nous dit aussi que les mages, quand ils devaient marcher, les mages, ils avaient vu une étoile. Et ces mages-là, quand ils ont commencé leur marche, ils venaient aussi de l'Est. C'est comme s'il y a un cycle. À chaque cycle qui doit fonctionner, on commence toujours à l'Est. Quand William Branham a commencé son ministère, si vous prenez Jeffersonville par rapport à Tucson, vous allez voir que ces garçons-là ont commencé à l'Est. Branham dit, même mon église, la manière dont je l'ai construite, il dit, le peuple, quand il est assis, je l'ai fait asseoir en direction de l'Est. Branham dit, quand je baptise quelqu'un, je le baptise en regardant à l'Est. Frère Branham dit, quand je marie un couple, je le marie en le faisant regarder à l'est. Alléluia. Salomon, quand il a bâti le tabernacle, Salomon a dit, Seigneur Dieu, quand ce peuple-ci sera dans un quelconque problème, peu importe où il se situe, s'ils tournent leurs yeux vers ce lieu-ci, toi, Éternel, exauce-le. Et jusqu'aujourd'hui, les musulmans continuent à imiter cela, n'est-ce pas? Un musulman, quand il arrive quelque part, il demande où s'élève le soleil? On lui dit ça s'élève là-bas. Parce que si vous n'avez pas de boussole, c'est très simple. Où s'élève le soleil? C'est par là. Vous allez voir, il va mettre son tapis et il va essayer de diriger ses prières vers l'est. Amen. Amen. Voilà, il dit, maintenant, quand moi je vous prêche, moi je regarde de l'est vers l'ouest. Amen. Amen. Le temple de Salomon était à l'est. Vous savez, c'est là. Donc, Dieu voulait que nous puissions commencer notre regard à l'est. Branham nous dit, qu'est-ce qu'il y a à l'est? Regardez un peu. Nous avons notre tabernacle. Vous savez que le tabernacle était la maison de Dieu. Amen. Et que c'était une maison à trois pièces, n'est-ce pas? Oui. Frère Branham dit que c'est le même si demain tu deviens milliardaire et que tu as une maison qui a 50 cuisines, 50 salles de bain et 100 chambres pour nous tous, pour parfois venir faire des vacances chez toi. Branham dit que peu importe le nombre de pièces que vous avez, ouais. Une personne vit dans une maison à trois pièces. Ouais. C'est pour ça que même Dieu a vécu dans une maison à trois pièces. À savoir le corps, l'esprit Alléluia. Et l'âme du Seigneur Jésus. Amen. Alors,
Commençons d'abord par la première partie. Parce que cette première partie est le commencement. Vous savez, mes frères, William Branham nous dit, lorsque vous voulez commencer quelque chose, commencez avec la parole. Amen. Parce que le début d'une chose détermine la suite de la chose. Amen. Lorsque vous voulez construire une maison, regardez les fondements que vous mettez. Souvenez-vous que Jésus avait dit que l'homme qui est sage, il va regarder le fondement d'abord avant de poser la suite. Alléluia. Parce que si le fondement est mal posé, les conséquences vont se faire sentir. Nous croyons que le début d'une chose a une grande importance. Même si nous savons que beaucoup ont commencé, ceux-là qui n'ont pas fini, regardez comment ils ont commencé. Parce que le début, William Branham dit, vous voulez commencer une église, ne commencez pas avec la politique. Commencez avec la parole. Amen. Pourquoi? Parce que si vous commencez avec la politique, vous allez finir dans la politique. Amen. Le début d'une chose détermine sa fin. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit que chaque semence se reproduira selon son espèce. Amen. Et une maison, quand vous êtes intelligent, Frère Branham dit, un jour, aux États-Unis, il y avait un endroit où on avait besoin d'un pont. Et toute personne avait déclaré que ce pont-là était impossible. Amen. Mais il y avait un jeune architecte qui avait une vision. Amen. Quand l'homme voyait les dessus, lui, il était capable de voir ce qu'il y avait plus bas. Yes. Et plus bas, il avait trouvé les rochers de la révélation. Amen. Et il a compris que le pont doit tenir. Très bien. Et quand les hommes disaient que c'est impossible, lui, il savait que comme le fondement est solide, amen, alors la suite le sera aussi. Amen. C'est pour cela que Branham dit, j'assois les gens en direction de l'Est. Amen. Parce que l'Est, amen, est le commencement. Amen. Il dit que quand je marie un couple, je les marie en les faisant regarder à l'Est. Amen. Parce qu'il va vous dire quoi? Que si ce mariage a commencé par la parole, alors ce mariage, c'est une éternité. Amen. Parce qu'en réalité, nous ne croyons ni à la polygamie, ni à la monogamie. Amen. Amen. Ça ne vous choque pas? Amen. Maman, nous ne croyons même pas à la monogamie. Moi, tel que je suis ici, je ne crois pas à la monogamie. Je ne crois pas à la polygamie. Amen. Mais nous croyons à l'unité. Amen. 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 Parce que l'unité est différente de la monogamie. Amen. Si la monogamie était ça la norme, nous pouvons prendre notre frère Samuel, on l'amène ici, on cherche une soeur là-bas, on l'amène ici, et on les déclare mari et femme. Mais ce que le frère Samuel a besoin, il a besoin de sa partie. Amen. De sa moitié. Très bien. Amen. Amen. C'est pour ça que Christ n'est pas venu chercher une femme, mais Christ est venu chercher sa femme. Amen. Amen. Alors, le commencement d'une chose est d'une capitale importance. Donc, toute chose que nous voulons faire dans notre vie, si nous voulons avoir du succès, sachez que la base de cela doit être la parole de Dieu. Amen. Si vous voyez par exemple une maison après un moment commencer à fissurer et s'écrouler, regardez la fondation sur laquelle elle a été bâtie. Alléluia. C'est pour ça que nous croyons que nous avons eu un fondement fondamental. Alléluia. Qui nous a été donné. Alléluia. Et nous ne pouvons pas amener autre chose à construire en dehors de ce fondement. Ainsi Dieu commence son programme ici à l'Est. William Branham dit, qu'est-ce qu'il y avait dans cette première partie? Sachez que le gardien de la porte, c'est le lion. Amen. Amen. Beaucoup de gens veulent de la puissance. Beaucoup de gens veulent de la grandeur. Voilà. Mais ils ne connaissent pas les chemins de la puissance. Amen. Ils ne connaissent pas les chemins de la grandeur. Amen. Amen. Et dans cette zone ici, nous avions la cuve des reins. Amen. Amen. Et puis nous avions l'autel des sacrifices. Amen. Vous allez lire dans plusieurs écritures. Frère Branham dit, je les assois vers l'Est parce que l'autel se trouve à l'Est. Alléluia. Quel autel qui se trouve à l'Est? Sacrifice. L'autel qui se trouve à l'Est, c'est l'autel des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cet autel des sacrifices n'était pas fait à n'importe quel matériel. L'autel des sacrifices était fait dans le matériel qu'on appelait l'airain. Amen.
Vous voyez ça? C'est le matériel qu'on appelle l'erreur. C'est Arlette? Sois avec moi, maman. L'autel des sacrifices, c'est l'autel des reins. Et si vous voulez comprendre ce que c'est les reins, c'est un alliage de cuivre. Amen. Et Frère Branham dit que les reins, dans la parole de Dieu, parlent du jugement. Vous croyez que le jugement commence par la maison de Dieu? Amen. Amen. Et remarquez maintenant, c'était ça l'exigence de Dieu. Que toute personne qui voulait commencer ses voyages, les voyages qui nous amenaient de l'Est vers l'Ouest, il devait Alléluia. Obligatoirement Alléluia. Commencer d'abord Alléluia. Par cette partie ici, la partie du jugement. Amen. Amen. Je vais dire, Frère Branham, et j'aimerais que vous puissiez, je ne serai pas long du tout, mais j'aimerais que vous puissiez garder vos pensées par rapport à ce que nous allons lire. Amen. Écoutez, Frère Branham, je suis dans le message Une vie cachée, qu'il a prêché le 10 octobre 55. Je commence au paragraphe 25. Il dit maintenant, revenons à la vie cachée. Voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption. Une vie cachée. Nous savons que cela dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, nous avons vu cela. Pour les deux, ce qu'il y a, trois, deux voiles, deux compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Le premier, c'était le parvis extérieur. Ensuite, il y avait le lieu saint. Enfin, le saint des saints. C'est cela la maison de Dieu. C'est cela la demeure de Dieu. Alléluia. C'est cela votre demeure. Écoutez, je vais au paragraphe 26. Il dit ceci. Bon, vous vivez simplement dans une maison à trois pièces. Souvenez-vous-en. Vous voulez avoir, vous pouvez avoir trois pièces. Dieu a vécu dans une maison à trois pièces. Lorsque Dieu était sur la terre, il a occupé une maison à trois pièces. L'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Dans les temples temporels, il était dans le parvis, les lieux saints et les saints des saints. Chacun d'eux était séparé de l'autre. Chacun avait un équipement différent pour montrer la demeure. Un très beau type de l'église. Les pécheurs entrent premièrement dans la cuisine. Pour ainsi dire, la cuisine, c'est là où vous mangez. Le salon, c'est là où vous communiez. La chambre à coucher, c'est là où vous vous reposez. Amen. Amen. Ils viennent, mangent la parole. Ensuite, baptisé dans la foi, il accepte Christ comme son sauveur. Il dit, c'est là le fait introduire dans la communion avec Dieu. Mais il continue jusqu'à entrer dans la chambre à coucher où il y a un calme serein avec Dieu. Là, toutes les choses du monde sont laissées de côté. Remarquez, par exemple 27, lorsque le souverain sacrificateur, une fois là, entrait derrière le premier voile, il dit, il avait à l'extérieur les bassins où on lavait les sacrifices. Ensuite, les sacrifices, après avoir été tués, étaient placés sur l'autel des reins. Il dit, le sang était versé dans un récipient et le souverain sacrificateur entrait une fois l'an derrière le voile pour faire l'expiation. Remarquez le vêtement de ce souverain sacrificateur avant qu'il n'entre dans le voile. Il dit, il devait se déshabiller et s'habiller d'une manière appropriée pour y rentrer. Alléluia. C'est le problème qu'a l'Église aujourd'hui. C'est dont elle a besoin de se dépouiller de tous les petits cultes et de s'habiller de la justice de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici que la matière qui était ici, c'était les reins. Et les reins parlent du jugement. Amen. Souvenez-vous que quand Israël était en train de traverser dans le désert, Israël était arrivé à un point. C'était Kadesh Barnéa. Alléluia. C'est le trône du jugement. C'est l'entrée dans le pays. Et quand le peuple a commencé à se corrompre, Moïse a pris un serpent.
Elle a élevé là-bas afin que la personne qui regarde à ces serpents puisse non pas mourir, mais puisse vivre. Et François me dit, c'est déroutant de voir que Moïse a représenté Christ par le serpent. Amen. On aurait pris l'aigle. Si c'était moi, j'aurais pris un agneau. Mais Moïse prend les serpents et il élève les serpents. Et quand Jésus vient, il dit de même que les serpents de l'œuf furent élevés, de même le Fils de l'homme doit encore être élevé. Et les serpents, comme on dit, regardez la matière est l'effet des reins. Il dit, le serpent a représenté Christ, mais de quelle façon? Il dit, ce serpent, si vous regardez, c'était un serpent mort. Il n'y avait plus de vie en lui. Alléluia. Il dit, c'est cela la manière dont le serpent a représenté Christ. Quand les deux sont venus, William Branham dit que ce dont nous avons besoin, semblable au souverain sacrificateur, c'est être capable de se dépouiller afin de porter une certaine justice. Amen. Quand les deux enfants sont venus, ils sont venus afin de viser aussi cet autel de sacrifice. Vous êtes là? Parce que, souvenez-vous, la confrontation d'Élie le prophète et des 400 prophètes de Baal, la Bible nous dit que le ciel aussi était un ciel d'airain. C'était un ciel de jugement. Amen. Mais qu'a fait Élie le prophète? La première chose que Malachie 4 fait, il rétablit l'autel. Il doit rétablir l'autel des sacrifices. Et cet autel des sacrifices exige qu'il y ait un sacrifice sur lequel le jugement doit tomber. Amen. C'est pour ça que Léo, quand vous le voyez, Léo, il est un juge. Il faut que le jugement soit exercé. Amen. 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 Et la matière ici, c'est les reins. Amen. 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 Et c'est une exigence de Dieu qui est un certain sacrifice. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu maintenant que à cette porte ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que deux semences vont commencer un travail. Nous aurons ici un monsieur que nous allons appeler Caïn, n'est-ce pas? Et l'autre que nous avons appelé Abel. Ce sont les deux qui vont venir vers cet autel de sacrifice. Amen. William Branham nous dit, messieurs, nous n'avons pas besoin de raccourcis. Si vous voulez entrer en Dieu, vous devez entrer par la porte. Alléluia. Et la porte, c'est l'est. Amen. La porte, c'est l'autel de sacrifice. Amen. 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 Et pourquoi est-ce que Dieu a-t-il exaucé Abel et n'a pas exaucé Caïn? Si vous regardez dans les films des hommes qui n'ont pas la révélation, ils vont montrer. Quand j'étais petit, je pensais que c'était ça. On avait la Bible, c'était une belle histoire. Où on voit Caïn qui amène des fruits et des légumes. Après un moment, on voit que Caïn il met, et puis on voit que Caïn il diminue un peu. Hein? Il diminue. William Branham dit que les serpents des reins, Moïse devait parler du serpent parce que le serpent pointait l'Éden. Alléluia. Vous êtes là? Amen. On a placé le serpent parce que le serpent montrait l'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Jésus, dans sa prière, cette prière qui a fait 2000 ans pour qu'elle puisse s'accomplir, il a dit de lui qui voulait savoir comment prier. Apprends-nous comment prier. Lorsqu'il commence, il dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Alors il arrive au point, il dit, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. William Branham nous montre que le problème de l'Éden, vous savez, mes frères, le péché n'a jamais commencé sur la terre. Amen. Qu'on ne vous mente pas. Le péché n'a pas commencé sur la terre. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas que le livre d'Apocalypse est un livre de symboles, qui vous dit, frère,
Il est promis que nous mangerons de l'arbre de vie et que nous donnerons les feuilles aux malades. Si quelqu'un parle comme ça, il doit croire aussi. Alors qu'Adam et Ève, ils avaient mangé un arbre littéral. Amen. Parce que nous croyons que les deux arbres étaient à l'Éden. On avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons encore l'arbre de vie qui apparaît dans l'Apocalypse, où Dieu nous promet que nous mangerons de l'arbre de vie. Amen. Si l'arbre de vie pour nous devait comme un pommier ou un manguier, croyons aussi alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi un pommier ou un manguier. Ouais. Et nous allons chercher cet arbre pour essayer d'aider les mamans qui marchent nuit ici dans la rue. Ouais. Amen. Ouais. Pour qu'ils puissent devenir conscients. Mais nous avons eu un prophète qui nous a dit que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Et les serpents des reins, les reins qu'on exige ici, c'est par rapport à ce qui s'est passé à l'Éden. Le péché n'a pas commencé à l'Éden. Le péché a précédé l'homme sur la terre. Parce que le péché a commencé dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, nous allons le voir un peu quand nous allons voir le nord. Parce que William Branham me dit, le diable disait, je vais prendre mon trône. Il dit, pour l'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, vous voyez, et il alla vers les septentrions. Nous connaissons la puissance ou bien la position qu'il cherchait. Amen. Afin que tout tourne autour de lui. Amen. Remarquez un peu. Lucifer, comme je l'ai toujours dit, Lucifer, c'est un très bon homme, vous savez, mes frères. Amen. J'ai toujours dit, Lucifer, c'est un très bon homme. Mais nous sommes tous incapables de le donner à notre enfant. Alléluia. Parce que c'est un homme qui porte un passé lourd. Amen. Même Judas. Je crois que les Français ont essayé d'ajouter un S derrière. Pour essayer de faire quand même la différence. Parce que c'est un homme. Imagine-toi, j'arrive ici et dis, mon nom c'est Judas. Celle-ci dit, le prédicateur, ça, qui va vous prêcher? C'est le frère Judas. Tout le monde aura peur. Amen. Mais Lucifer parle de la lumière. Et nous savons qu'ici à l'Est, c'est là où la lumière doit s'élever. Lucifer parle de la lumière. Et en néerlandais, lorsqu'on parle des allumettes, hein, c'est Lucifer, n'est-ce pas? Parce que les allumettes produisent la lumière. Mais un bon nom est devenu compromettant. Pourquoi? Frère, si nous ne comprenons pas les péchés de Lucifer, nous allons nous embourber. Parce que le péché de Lucifer, c'était la guerre des anges. Amen. Et la guerre des anges va devenir la guerre des hommes. Amen. Le même deux tiers que Lucifer va attraper ici. Amen. Si vous ne faites pas attention, ici aussi, il va les prendre. Ouais. C'est ce que nous sommes en train de voir tous ces jours durant la semaine. Amen. Parce qu'ici, il est dit que Lucifer a pris les deux tiers des anges. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remarquez, mes frères, le péché de Lucifer n'était pas que Lucifer était fumeur. Amen. Il n'a jamais fumé, ces messieurs. Lucifer ne portait pas des jupes courtes, maman. Il n'avait pas encore les tissus là-bas. Amen. Lucifer ne buvait pas. Il n'avait pas encore de bière forte et de liqueur. Les vins du temps de Noé n'existaient pas encore. Amen. Mais la Bible dit qu'il avait bien commencé. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Alors, qu'est-ce que signifie l'iniquité? William Branham dit l'iniquité, c'est quand je sais faire quelque chose qui est bien, mais je fais quelque chose par moi-même. Donc, vous connaissez la révélation de la parole, mais vous voulez vivre par votre propre moi. Donc, le péché de Lucifer, c'était simplement l'ego, c'est tout. Le moi. Si vous regardez dans le message ce jour-là sur le calvaire, Frère Branham me dit que quand Dieu a créé les hommes et les anges, il leur a donné la capacité de pouvoir choisir. Amen. Et Frère Branham me dit que vous ici, c'est votre décision qui compte. Amen. Et il a prêché la puissance de la décision. Vous avez une puissance derrière votre décision. Vous pouvez mener une certaine vie. Et dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Amen. Et je vous dis, ni Dieu, ni Satan ne sont capables de vous changer cette décision.
Amen. Amen. C'est par votre décision. Alléluia. Peut-être que vous ne réalisez pas que c'est votre décision, mais c'est vous qui décidez. Amen. Amen. Et remarquez, quand Dieu lui a donné la capacité de décider, il a choisi son propre chemin. Il a voulu montrer à Dieu la manière de gérer ces choses. Lui, il a dit, la grandeur, c'est être celui qui est au-dessus des autres. Il ne pouvait pas comprendre comment dans l'éternité, il n'y avait pas de grands et de petits. Amen. Lorsque nous introduisons le royaume éternel, c'est la fin des grands. Très bien. Il n'y a plus un grand au milieu de nous, c'est terminé. Amen. Parce que lorsque vous prenez même l'enfant qui est issu de vous, dans l'éternité, vous n'êtes pas plus vieux que lui. Amen. Vous n'êtes pas plus jeune que lui. Amen. C'est le même âge. Amen. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même sémence. Amen. Amen. Mais Lucifer voulait un royaume où il y avait des grands et des petits. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, quand la même chose va venir ici, qu'est-ce que le serpent? Parce que William Barra nous dit que Lucifer va s'incarner dans le serpent. Amen. Amen. Bon, nous sommes pas en train de voir le serpent du serpent, mais je suis en train de montrer un peu pourquoi est-ce que Dieu exige les sacrifices à l'est. Amen. Amen. Quand il va s'incarner dans le serpent, qu'est-ce qu'il va dire au serpent? Il va amener les serpents à prodiguer certains conseils à Ève. Remarquez un peu. Vous savez que Ève, quand elle était ici, elle ne marchait pas par le raisonnement. Ouais. Vous savez ça? Ouais. Ève n'avait jamais marché par le raisonnement. Les deux, Ève ne marchait jamais par la vue. Vous êtes là? Amen. Mais Lucifer l'a arrêté un moment. Alléluia. Et lui a dit, soyons un peu réalistes, parlons-en. Mmh. C'est comme s'il y a des choses que toi tu ne connais pas. Et moi je vous ai dit, hein, vous savez, des mystères, hein, il y a des mystères dans tous les domaines. Dans la science, il y a des mystères. D'accord? Dans la magie, il y a des mystères. Amen. Dans tous les domaines, il y a des mystères. Amen. Mais nous ne sommes pas intéressés avec tous ces mystères. Nous nous sommes intéressés par le mystère de Dieu que Malachi 4 a apporté. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous vienne ici pour nous expliquer comment un sorcier. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Le mystère qui nous intéresse, nous, c'est le mystère de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que quand on a commencé à nous dire, on va démontrer les mystères. Dieu a-t-il réellement dit? Avant, elle vivait par la foi. La première fois, elle a utilisé le sens du raisonnement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et puis quand elle a utilisé sa vue, elle a vu que l'arbre était bon à manger et capable d'ouvrir l'intelligence. Amen. Amen. Et nous comprenons maintenant que Lucifer l'a amené simplement à utiliser quelque chose qui était en elle, qu'on appelle le moi ou le ego. D'accord? Amen. Et c'est cela qui causa la chute en Éden. Alléluia. Vous savez que Adam a péché de manière délibérée. Mm-hmm. Vraiment ça. Adam a péché de sa propre volonté. Mm-hmm. Comme ça vous arrive à vous et à moi. Amen. Parfois vous savez que ça, c'est interdit par le message. Mm-hmm. M'appuyer comme ça, c'est faux. Mm-hmm. Mais vous vous dites, non, moi-même je vais le faire. Et Dieu me comprendra. Mm-hmm. Dieu ne vous comprend pas. Dieu ne connaît que la parole. Si vous n'êtes pas la parole, Dieu ne vous connaît pas. Et Dieu ne peut pas vous comprendre. Amen. Amen. Nous avons vu que le seul sens qui contacte Dieu, c'est la foi. Vous voulez que Dieu vous comprenne par quoi? Amen. Remarquez Amen. Maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que quand Adam est venu aussi, lui, il a fait encore pire. Ève, elle était embrouillée. Elle était séduite. Mais Adam, quand il est arrivé, lui, il connaissait la chose. Il était... Ici, Ève était un sous-produit, mais Adam était l'original. Amen. Et cet original a aussi activé ses égos ici. Il a dit, maintenant, je vais faire comme moi, je le pense. Vous voyez, quand vous avez un enfant dans la maison, et l'enfant dit, papa, j'ai 18 ans, je vais faire comme je veux. C'est le moi. Amen. Et ce moi-ci a provoqué la chute. Amen. Amen. Et c'est comme cela que, quand Dieu exige le retour par la porte de l'Est, il dit, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit amené. Amen. Caïn a amené son sacrifice. Abel a amené un sacrifice. Mais il y avait une différence
entre les deux sacrifices. Quand le papa avait vu que les enfants étaient tombés, Frère Branham nous dit, la Bible le confirme, que Dieu avait tué l'agneau, n'est-ce pas? Il a pris les habits de l'agneau, il a couvert ses couples. Il a pris la justice de l'agneau, il a couvert ses couples et il a laissé ses couples partir. Il savait qu'il y avait un plan par rapport à leur retour. Amen. Maintenant, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que Caïn, il amène des œuvres. N'est-ce pas? Et celui-ci, il amène un agneau. Celui-ci, il amène du sang. Et lorsqu'on parle du sang, on est en train de parler de la vie. Amen. Amen. Tandis que celui-ci amène les œuvres de ses mains. Amen. Amen. Vous voyez la différence? Et quand lui, il vient, il pense que parce que j'ai arrêté ceci, parce que je ne fais plus cela, alors j'ai le droit de rentrer par cette porte. Mais celui-ci, il montre par la révélation pour voir ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Ce qui était l'exigence même de Dieu. Amen. Et descend avec ça pour l'amener à Dieu. Amen. Branham nous dit, écoutez-moi, très attentivement, je ne serai pas long. Branham nous dit que c'est là où commencent toutes les choses. Abel, quand il a amené cet agneau, n'est-ce pas qu'Abel a tué l'agneau? Amen. Abel a tué l'agneau. Amen. La deuxième question, est-ce que Abel est resté vivant? Non. C'est là où il y a des problèmes. William Branham nous dit que Abel devait aussi mourir avec son agneau. Amen. Parce que ici, la chair doit mourir. Amen. Le sens de l'esprit et le sens de la chair doivent mourir. Amen. Votre propre moi doit mourir. Amen. C'est la seule manière pour vous de pouvoir passer par cette porte. Amen. Parce que quand on vous trouvera à l'est en train de déclarer les grandes choses, on va regarder si l'habit de noces se trouve sur vous. Amen. Et on va trouver que vous n'êtes pas dans les habits de noces. Et Jésus va vous dire, mon ami, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici alors que vous avez raccourci la porte de l'entrée? Amen. C'est là où vous allez vous retrouver dans les ténèbres du dehors. Merci. Vous qui déclarez les grandes choses, alléluia, comme la grande ville Los Angeles, alléluia, on va vous retrouver pleinement dans les eaux. Amen. Pourquoi? Parce que l'exigence ici n'a pas été faite. Amen. William Branham me dit, Abel a apporté l'agneau. Et Abel savait que sa propre vie devait s'arrêter. Parce que le jugement de Dieu exigeait sa vie. Amen. Afin que Abel puisse y revenir dans une résurrection. Amen. Et qu'il puisse porter le nom de Seth. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Seth, c'est la résurrection d'Abel. Amen. Mais Abel ne pouvait pas résister s'il ne meurt pas avec son agneau. Amen. Et la porte de la puissance, mes frères, c'est la mort en soi. Amen. Et cette mort en soi, c'est une exigence de ce message. Amen. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas ici pour former des membres de l'église. Non. Où nous remplissons les salles. Non, messieurs. Non. Mais nous devons savoir de quoi l'homme est tombé. Amen. L'homme est tombé de la divinité quand il a voulu vivre par son propre moi. Amen. C'est pour ça qu'Abel vit avec l'agneau. Remarquez que l'agneau n'a pas sa propre volonté. L'agneau, quand il est perdu complètement. Amen. Alors lui, il vient s'identifier à ça. Alléluia. Et il prend sa propre vie. Il l'amène aussi sur l'autel. Souvenez-vous que le prophète fait deux choses. Il rétablit d'abord l'autel et puis il révèle le mystère de cette tonnerre. Donc si frère, vous ne venez pas à l'autel ici frère, comment allons-nous vous retrouver dans le tonnerre? Amen. 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 C'est ça la porte d'entrée. C'est pour cela que le salut vient des Juifs. Amen. 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 Et Jésus nous a montré dans cette partie est comment est-ce qu'il est monté à la croix. Amen. William Branham me dit que c'est là où Jésus a remporté sa plus grande victoire. Il dit ceci, il dit que nous devions tous avoir un Gethsémané. Amen. Amen. C'est l'exigence de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, le christianisme commence par la repentance. Alléluia. Vous ne pouvez pas commencer autrement. Non. Ça commence par la repentance. Amen. Et la repentance dont il est question ici, c'est que vous renoncez à votre propre vie.
Vous dites, hein, moi je ne veux plus vivre par moi-même. Amen. Je ne veux plus vivre par mon intelligence. Mais maintenant je vais marcher de la manière dont Dieu il veut que je puisse marcher. Très bien. Je vais dire un peu, Frère Branham, pour terminer. Frère Branham dit ceci, dans l'exposé à la page 53, il dit, les serpents des reins sur la perche étaient un symbole du péché du jardin d'Éden. Amen. Où les serpents avaient séduit Ève et l'avaient fait pécher. Les reins représentent le jugement, comme nous le voyons dans l'autel des reins, où le châtiment du péché retombait sur les sacrifices posés sur l'autel. À l'époque d'Élie, quand Dieu a jugé Israël à cause de ses péchés, il a empêché qu'il pleuve, et les cieux enflammés sont devenus comme des reins. Dans cette image, nous voyons que les serpents sur la perche représentent le péché déjà jugé. Il est fait des reins pour montrer que le jugement divin était déjà tombé sur le péché. Quiconque regardait les serpents sous la perche, en acceptant ce qu'il signifiait, était guéri. Amen. C'était l'hymne ou le salut du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez cette citation, je saute plusieurs citations. Je suis dans question et réponse sur le sceau. Il dit, voilà les types parfaits. L'homme naturel qui naît d'Adam son père, il présente cette tendance naturelle. Ça ne marchera pas. L'homme naturel, c'est question de réponse sur le sceau, par exemple, 141. L'homme naturel ne perçoit pas les choses de Dieu. C'est pourquoi un homme est venu dans le naturel et il est mort pour rétablir cela de nouveau. Cela représente la mort d'Abel et son remplacement par Seth. Si vous voulez être la résurrection de Jésus, voici la porte d'entrée, mes frères. C'est cette porte d'entrée qui exige la mort. Paul dit, je meurs chaque jour. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Comment Christ va-t-il vivre? C'est le grand mystère qui dit, alléluia. Écoute, ô Israël, amen. L'éternel, ton Dieu, est unique. Ouais. En toi, il n'y aura pas de volonté. Ouais. Il n'y aura avoir qu'une seule volonté. Et cette volonté viendra quand? Quand tu comprendras que chaque jour, tu dois crucifier cette chair. Chaque jour, tu dois crucifier ces moi. Ça demande un sacrifice. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne vous sacrifiez pas. Et les sacrifices que nous avons, nous n'avons pas besoin de votre argent. Non. Nous avons besoin que vous donnez vos cœurs à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si vous le donnez à Dieu, alors alléluia. On va bien commencer. Merci, c'est ça le commencement. Merci, il n'y a Seigneur. Pas un autre commencement. Lorsque Ruth, la Moabite, est venue, alléluia. Vous savez qu'elle devait entrer par la même porte. Amen. Elle a oublié ses dieux. Elle a dit, aujourd'hui, moi et Naomi, nous sommes un. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Les exigences de ces dieux seront mes exigences. Alléluia. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Amen. Abel est mort avec son sacrifice. Alléluia. Et nous avons l'agneau parfait. Et nous alléluia. Si nous voulons que la vie de cet agneau parfait puisse se retourner sur nous, Dieu exige sur nous le sacrifice. Amen. La vie chrétienne ne peut pas marcher sans sacrifice. Amen. C'est ça la porte de l'Est. Amen. C'est pour ça que vous tournez vers la croix, afin que vous regardiez les sacrifices qui ont été faits. Alléluia. Et que ces sacrifices puissent influencer votre vie. Amen. Vous puissiez comprendre que s'il n'y a pas de sacrifice, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Vous allez essayer de continuer le chemin, mais après un moment, vous serez embrouillé. Vous serez renfrogné. Vos péchés vont vous retrouver. Amen. Amen. Parce que deux religions commencent. Il y a une religion des œuvres. Mes sœurs, si vous portez une longue jupe, vous savez pourquoi vous portez une longue jupe? Vous savez pourquoi nous les frères ne buvons pas le vin? Moi je crois que si tu es un élite, même si tu vois les vins, tu ne seras pas perdu. Hein. Amen. On ne vous manque pas, tu ne seras pas perdu. La seule chose, tu vas les payer très cher. C'est tout. Amen. Tu vas payer la boisson là très cher, mais tu ne seras pas perdu. Amen. Vous savez ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous essayons de vivre pour Dieu? Pourquoi ça? Si nous arrêtons ceci, parce que regardez un peu, quand tu prêches le message à quelqu'un, la première chose, la personne commence à te dire, ah, je dois arrêter ça. Frère, je ne t'ai pas demandé d'arrêter quoi que ce soit. Je t'ai demandé de venir simplement à cet hôtel. Et une fois que tu t'identifies à cet animal, et que tu comprends que si je suis en vie, ah, donc c'est lui qui est mort à ma place. Et tu comprends que ta vie n'a plus d'importance. Amen. Si vous avez déjà fait face à la mort, hein, comme ça,
Vous avez fait la mort. Vous savez, nous pouvons prêcher. Ça veut dire que quand moi, je crois que tout le monde va mourir. Moi, je crois ça. Amen. Moi, je crois que tout le monde va mourir. Amen. Que tu le veux et pas. Moi, je crois ça. Ça mais maintenant, moi, je ne me bats même pas. Amen. Si tu refuses, je dis, ce n'est même pas une doctrine, c'est un fait. Amen. Un fait de la vie. C'est pas je dis maintenant, quand nous prêchons ça, ce n'est pas une révélation de groupe, c'est quelque chose que chaque personne affrontera individuellement. Et quand dans votre vie, que ce soit dans une guerre, où là, madame dit que une minute entre la vie et la mort, c'est comme une éternité. Vous allez voir que quand un homme était même moins sérieux, s'il passe un traumatisme de mort, il va devenir très sérieux dès un moment, avant que l'amnésie ne revienne. Mais il va devenir très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire face à quelque chose qu'un homme ne peut pas expliquer. Amen. Amen. C'est pour ça que moi je crois que nous, quand un chrétien, il retourne, le corps retourne à la tombe, mais le chrétien ne meurt pas. Parce que le chrétien est déjà mort il y a longtemps. Il est monté sur cet autel et c'est là où il est mort. Amen. Vous comprenez? Amen. Et vous allez voir que Dieu, il va après agréer les sacrifices. Parce que Dieu doit agréer les sacrifices. Les deux ont apporté les sacrifices, mais les sacrifices n'étaient pas agréés. Souvenez-vous, mes frères, si nous arrêtons ceci, si nous arrêtons cela, ce n'est pas par peur de l'enfer. Nous avons réglé le problème de l'enfer ici dès le début. N'est-ce pas, frère Max? Même si tu dis, moi je ne viens plus à l'église, frère Max, si tu es élu, tu ne seras pas perdu. Amen. Ne te manque pas. Très bien. Simplement, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Oui. Tu vas souffrir. Ouais. Dans ta chair, c'est tout. Mais tu ne seras jamais perdu. Ouais. Pourquoi est-ce que nous avons arrêté ceci et ceci et cela? C'est pour exprimer seulement l'amour que nous avons pour Dieu. Vous comprenez? C'est juste l'amour. Alléluia. La reconnaissance. Alléluia. C'est pour ça que nous avons arrêté de boire. C'est pour ça que nous avons arrêté de fumer. C'est pour ça que nous avons arrêté de courir à gauche et à droite. Pourquoi? C'est pour exprimer. Alléluia. L'amour. Amen. Amen. Et quand vous venez à cette porte hein, et que vous mourrez en vous-même, vous savez, il faut maintenant montrer que cette première étape, on l'appelle la justification. Ouais. Et quelqu'un qui est justifié, c'est comme s'il n'a jamais péché. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui est justifié devant Dieu, tu fais, oh Seigneur, en cette année-là, j'avais fait, Dieu te regarde, tu as vu quoi? Tu n'as jamais péché. Amen. Mais c'est ça la porte d'entrée, mes frères. Amen. Parce que quand nous allons arriver au sud, il doit y avoir une épouse qui doit s'élever d'ici. Amen. Alors quand nous allons arriver au sud, que je sois conscient que nous sommes entrés. Amen. Pour que la confusion ne puisse pas nous retrouver. Alléluia. Amen. Parce que. Amen. Mes frères, quelle est cette révélation? Vous avez quitté le monde, vous avez arrêté la bière. Vous arrivez à l'église, on vous prêche pour que vous puissiez avoir la confusion que je dois encore boire. Non, sérieusement. C'est quoi cette révélation? Tu dis, moi, non. Tu arrives à l'église, on te prêche pour que tu arrives maintenant à une conclusion que demain je dois prendre encore une deuxième femme. Vous voyez? Ici, c'est la porte de l'Est. Et ces choses marchent quand le moi de l'homme est complètement écrasé. Parce qu'il s'agit ici de l'ouverture de l'humanité. Les jours du Fils de l'homme commencent à l'Est et finissent à l'Ouest. Les jours de Dieu commencent à l'Ouest et entrent dans le matin éternel. Parce que souvenez-vous, quand vous voyez l'homme de la création, vous ne verrez jamais, il lit un matin, il lit un soir. Non, il lit un soir et il lit un matin. C'est pour ça que quand nous allons arriver ici, à la nouvelle orbe de la création, vous allez voir encore la nouvelle création. Dieu qui commence à créer au travers. Alléluia. Amen. Amen. Mais avant que nous entrons à cela, mes frères, souvenez-vous, Dieu nous exige l'amour ici. Nous devons tous monter à cet hôtel. Amen. Et faut madame dire, ce que nous plaçons, c'est nos âmes. La nature. Parce que en nous, quand nous naissons, il y a un serpent. Il faut que ce serpent ici soit écrasé. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un serpent écrasé. Amen. Et que Dieu puisse voir que nous nous sommes identifiés à notre agneau. Et à partir de là, Dieu est prêt maintenant à nous faire monter. Amen. Amen. Pour que nous puissions marcher avec lui. Amen. C'est ça ce que j'avais pour vous. Amen. Dieu Amen. Amen. Nous avons beaucoup de choses à dire. Là, on n'a pas encore touché notre sujet, n'est-ce pas? Amen. Mais nous sommes en train de montrer comment est-ce que le soleil doit marcher. Amen. Amen. Alléluia.